Culture. Les bonnes habitudes ne se perdent jamais. Linda Tandori, même bonjour. Après une petite semaine voilà, de, oui, de pause, de break. Une semaine de pause et puis un bon retour, j'imagine. Voilà, hein, c'est comme le vélo. Voilà. Une fois que c'est appris, c'est appris. Et en forme. On essaye. En forme, on est ravis. Alors, ça se réanime un petit peu côté culture, c'est ça bien. Ça se réanime un petit peu du côté culture. Et voilà, il faut savoir que nous avons déjà pour ce week-end, déjà pour aujourd'hui, nous avons les mercredis du Verbe qui sont organisés par l'établissement Arrêt Culture, qui reçoit Fatah Hagran, qui va présenter son récital à 14h30. Et ce récital s'intitule « La cinquième saison ». C'est à 14h30, je le disais. Il faut savoir que cette galerie Mantouri expose, bien sûr, et aussi organise des conférences, des rencontres littéraires. Et puis, il y a un jeu aussi de langues arabe, français, amazigh. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vivant. C'est vivant, exactement, exactement. Nous revenons aussi aux expositions. Vous avez Driss Dorman, l'artiste peintre Amour Driss Dorman, qui est actuellement à la galerie Al-Qsar, hein, qui se trouve à la Hachour. Et puis on passe aussi à l'écriture et la présentation de livres avec Ahmed Benzliha. Ahmed Benzliha présentera son livre, donc Rendez-vous au Mont-Saint-Michel. Hein. C'est ce samedi 27 janvier à 14h à la librairie d'Elbiar. Vous savez, la librairie qui se trouve au niveau du centre, la place Kennedy, oui. une mythique donc, librairie. Il y sera Ahmed Benzliha ce samedi donc, à 14h. Et puis l'association El Fen El Djamil, c'est une nouvelle association de musique andalouse qui donne un concert ce vendredi à 16h. Voilà pour ce qui est un peu des petits rendez-vous que nous avons déjà. Hein. Ce sont des rendez-vous que nous avons en matière de culture et d'art. Et puis on se retrouvera tout à l'heure avec beaucoup de plaisir à 9h.